Le combat de Portail contre Tauros est intéressant, et faire plus de 40 000 points pour avoir 20 000 wakfu est relativement simple. En revanche, si vous voulez jouer le classement et avoir les gemmes en récompense, c'est une autre histoire. Il existe deux petites informations qui sont importantes à connaître et que je vais vous révéler. Mais avant cela, si vous ne connaissez pas les bases du combat, je vous invite à passer voir ma vidéo précédente sur le sujet. C'est fait ? Bien. Dans ce combat, on gagne des points en infligeant des dégâts à Tauros et aux mécanismes. Et j'insiste sur les mécanismes. Ceux-ci disposent d'autant de blindage que Tauros a d'attaque. Donc 1000 points au début du combat. Or, Tauros ne dispose que de deux sorts, celui qui invoque des murs, qui coûte 1 PA de plus pour chaque mur sur le terrain, et un sort à 10 PA qui double son attaque. Ainsi, après le lancement de ce sort, les murs ont 2000 points de blindage, vous permettant de gagner bien plus de points avec les sorts de zone de Gul'tar. Mais alors, comment lui faire lancer ce sort? En fait, Tauros commence le combat avec 6 PA, mais il gagne 1 PA de façon permanente à chacune de ses attaques. Il atteint donc les 10 PA après 4 attaques, mais attention, il ne lancera pas le sort s'il ne peut pas taper. Il le lancera donc absolument toujours, immédiatement, avant sa 5ème attaque. A vous de tirer parti de cette information. Bien entendu, avec 2000 d'attaque, la survie de vos personnages devient bien plus préoccupante. Cela rajoute du piquant au combat. Notez que ce gain de PA lui permet également d'invoquer plus de murs. Intéressant donc. Mais j'en arrive à la seconde information importante. Certains pourraient croire que les murs s'invoquent de façon aléatoire, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, en réalité, Tauros invoque toujours les murs exactement à deux cases de l'un de vos personnages. Il est donc important de garder vos personnages près l'un de l'autre afin de garder de belles zones pour les murs. Bonne chance à vous tous pour vous inscrire au classement et gagner les gemmes offertes aux 10 premiers de celui-ci. A très bientôt dans le monde des 12.